Salut tout le monde, c'est Lunatic. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Car pour changer de d'habitude, on va se retrouver en 1v1, donc sur mon dernier Warfare 3. Donc en mode confrontation, désolé. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais être au sniper, donc au MSR. Donc je vais faire un petit score de 24-3. Donc par contre, l'ennemi qui sera contre moi donc sera au pont, donc c'est pour ça va être assez chaud. Des fois je vais avoir assez de chance, donc voilà. Donc avant de commencer cette petite vidéo, déjà je voulais vous remercier donc déjà pour nos 148 abonnés. Donc en 3 semaines, vraiment on est super content, franchement ça nous touche beaucoup, parce que chaque fois qu'on a un abonné, ça nous fait vraiment très plaisir. Et donc, voilà. Et donc franchement, pour ceux qui sont déjà abonnés, franchement merci. Pour ceux qui vont s'abonner, encore merci aussi. Et donc franchement, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça fait vraiment très plaisir. Et donc voilà, ça nous touche vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment très sympa quand on voit les abonnés qui augmentent, et puis etc. Donc, voilà. Sinon, donc pour cette petite vidéo, donc je suis accompagné là aujourd'hui de mon petit cousin. Donc là, il va bientôt rentrer dans notre team, parce qu'il va se racheter un ordinateur. Il a déjà acheté Modern Warfare 3. Et donc voilà, il va bientôt rentrer dans notre team. Et puis voilà, donc il s'appelle Tristan, il a 14 ans. Donc voilà, et puis là il m'accompagne pour cette petite vidéo. Et puis donc voilà. Salut tout le monde. Et donc franchement, donc là. Ah oui, donc dans cette vidéo, franchement, je suis bon. Dans cette vidéo, on va parler de nos futures vidéos, des vidéos donc qu'on a déjà fait, des trucs assez spéciaux et tout. Donc comme future vidéo, donc on a prévu une frame movie Modern Warfare 3 donc au sniper, donc qui j'espère vous plaira, donc parce que Blast Impact a vraiment beaucoup travaillé dessus. Et donc on espère qu'elle vous plaira celle-là, parce que voilà, donc il y a eu du travail, franchement. Donc voilà, une frame movie MW3, une frame movie Black Ops 2 aussi, également au sniper, parce que c'est rare qu'on ne soit pas au sniper, beaucoup. Voilà. Ah oui, un tutoriel Cinema 4D, donc pour installer Cinema 4D simplement, rapidement et en français. Donc qui j'espère vous plaira aussi. De toute façon, on espère qu'elle vous plaira. On a quoi d'autre? Cette vidéo là qui va être uploadée dans les 2-3 jours qui suivent. Je voulais parler aussi de notre partie qu'on va créer. On va organiser une petite vidéo donc avec nos abonnés. C'est une petite partie privée, où ça sera de leur choix, une petite partie privée en ligne comme ils veulent. Donc franchement, j'espère que vous serez nombreux, parce que aussi là j'espère qu'on passera un bon moment en votre compagnie, parce que voilà, c'est toujours des bons moments à passer ça avec nos abonnés, franchement c'est super. Sinon, je voulais parler du concours, de notre premier concours déjà qui a eu lieu pour nos 100 abonnés. Au lancement de notre chaîne, donc on a créé déjà un petit concours qui nous a déjà fait 517 vues, maintenant 517 vues. Donc nous, on trouve qu'il a assez bien marché, et puis franchement on est content qu'il y ait autant de participants, puis bravo au gagnant qui s'appelait Fabien, qui a gagné Black Ops 2 sur PS3. Donc voilà, j'aboutis pour vous dire que on va en créer un de concours pour nos 500 abonnés. Alors on espère qu'on va les atteindre déjà, ça c'est sûr, on peut pas être sûr, parce qu'il peut se passer n'importe quoi et tout. Et donc voilà, pour nos 500 abonnés, on aura un petit... on vous fera un petit concours, donc pour un jeu au choix, on pense, oui aussi. Donc voilà, nous sinon, on va parler un peu des joueurs, donc de nos plateformes en général et tout. Donc franchement, ouais, on est 10 joueurs déjà dans les ZG, dans Imagine Sound Gaming, dans notre team. Puis on joue particulièrement sur PC, comme on vous l'a déjà dit, beaucoup de V3 et un peu de Black Ops 2, ouais. Et sinon, il y en a 3 sur Xbox, je vous le dirai de toute façon, Lord Immortag, si vous en avez joué un peu avec eux. Et donc, il y a moi sur PS3 avec 2 autres. Je vous donnerai aussi leur gamer tag, après ça c'est pas très important.
Et donc voilà, sinon, je voulais vous demander s'il y aurait possibilité que vous nous donniez des idées de vidéos, parce que ça c'est super important, en tout cas pour que ça nous fasse évoluer, des idées de vidéos, c'est toujours très utile. Nous aurons des petites vidéos fun, franchement, on les fera avec plaisir, des petites vidéos fun, comme ça, des bons moments, des trucs comme ça, après, voilà, des petites RD, des tentatives trickshot, tentative moi, voilà, franchement ce que vous voulez, en tout genre, que ce soit des tutos, franchement ce que vous voulez, on va tout prendre parce que vos idées sont les bienvenues, ça c'est sûr. Après, je voulais vous parler aussi donc je vais aborder un petit point, donc c'est pour les critiques donc, qui sont faites sur les vidéos, franchement, on va pas vous empêcher de faire des critiques et tout, mais ça serait bien qu'elles soient bien formées par vos métiers, juste, c'est pourri quoi. Pourri, point, franchement ça nous intéresse pas, faut vraiment que ça nous fasse évoluer et que vous nous dites les points qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas bien abordés dans la vidéo ou des trucs comme ça quoi. Franchement faut être un peu plus précis pour qu'on applique ces points et donc pour que ça soit davantage mieux. Donc franchement ça serait super sympa pour que vous formiez bien vos idées. Et donc voilà, vos critiques, en tout cas j'espère que vous en ferez des bien formés et puis pas des trucs pourris, point, comme je vous l'ai déjà dit. Puis voilà. Donc je voulais vous parler par contre de nos vacances, là vu qu'on est en vacances, ouais ça va faire une semaine maintenant. Et donc voilà, je voulais vous parler de nos vacances parce que donc malgré que pendant les vacances on a envie de profiter un peu, et ouais il y a l'histoire de faire des vidéos, d'être un peu avec ses potes et tout. Là je raconte un peu, mais c'est pas grave, hein. On va pas se cacher, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Donc ouais, franchement, mais essayez quand même de vous faire des petites vidéos parce que faut pas s'arrêter après. Voilà, donc on essaie toujours de vous proposer une vidéo sur deux jours. Et donc voilà, comme je vous propose cette petite vidéo qui va être uploadée dans les 2-3 jours qui suivent et qui j'espère vous plaira, celle-ci aussi. Donc ouais, donc, pour les vacances, même si c'est assez dur de faire des vidéos parce qu'on a envie de profiler, on va essayer quand même de vous en faire pendant ces deux petites semaines qui suivent. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc sinon, franchement, pour parler un peu du reste, ah oui, donc sinon, je vais parler pour le compétitif. Donc on pense, franchement, bref, ça serait à vous de nous dire un peu ce que vous en pensez, si ce serait une bonne idée de se lancer un peu dans le compétitif, par exemple faire des petites wars, si ça vous plairait franchement, qu'on vous fasse en vidéo des petits matchs de team comme ça, parce que après, ouais c'est vrai, il y en a beaucoup sur YouTube qui sont uploadés, franchement. Après ça serait assez différent parce que ouais c'est pas les mêmes teams, mais franchement mettez en commentaire si ça vous plairait de voir des petits matchs de team comme ça. Donc avec la team au complet, on pense, 6 joueurs en tout cas, 6 ou 5. Et donc voilà, franchement, dites-nous ce que vous en pensez de cette petite idée. Et puis donc voilà. Et puis donc je parlais un peu de la vidéo maintenant parce que j'ai presque un peu tout dit, mais après il n'y a pas beaucoup de temps et tout, je peux pas raconter toute ma vie ni rien. Donc je parle un peu de la vidéo, donc comme vous avez vu. Mais par contre là comme vous avez pu le voir, donc ça a coupé la vidéo parce que en fait je vous ai un peu non, je voulais pas expliquer encore, mais en fait j'ai eu un petit problème de format donc avec mon logiciel de capture vidéo, et donc voilà, comme vous avez vu ça a coupé la vidéo, et c'est pour ça donc je recommence pour la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça, mais désolé. Ce n'est pas de ma faute. Donc c'est pour ça, parce qu'en plus je me suis dit que ça faisait déjà 6-7 fois que je recommençais la vidéo et tout, parce que je me chiais et tout. Donc c'est pour ça que je voulais pas recommencer. Si ça me le refaisait à chaque fois, c'est pour ça que je voulais pas essayer 250 fois la vidéo, la refaire à chaque fois. Donc c'est pour ça que je disais que lui, il avait joué aux pompes, tout le monde l'a reçu, donc voilà. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire sur la partie. Par je me suis chié 2-3 fois, mais bon, c'est pas grave ça. Donc voilà. Et donc franchement, je voulais vous remercier déjà pour tous nos abonnés. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis encore une fois. Et donc franchement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, parce que ça fait toujours plaisir, franchement. Et à vous abonner. Franchement, voilà. Merci. Allez, à plus.